Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure horrifique sur Dead Space. Évidemment, prenez un petit truc à boire et à manger. Installez-vous confortablement. Et on est parti. Souvenez-vous, on avait cryogénisé un vil méchant. Niveau santé, c'était toujours un petit peu le caca. Mais enfin, on essaye de s'en sortir comme on peut. Et on devait continuer à partir par cette porte qui était juste à droite. Et c'est vrai que le jeu ne te laisse pas un putain de moment de répit. Et ça, je vais pas mytho que c'est assez terrible. Alors, vous savez quoi, ça, vas-y, on l'utilise, on bat les couilles, hein, les gars. J'ai beaucoup de choses à vendre. On verra ce que ça donnera. Ok. C'est tellement la merde niveau munitions, les amis. Alors. Ouais, envoyez toujours plus loin, les gars. N'hésitez hein, pas. Ok. Ok. Donc ça, c'est bon, c'était déjà rechargé au max. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a un seul putain de moment de répit par ici? Ok. Et là, on n'a rien. Mais attends, on était déjà venu ici. D'accord, ok, c'est le pôle médical qui relie ici même, c'est bien cela? Oh là 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 là, se rendre à la maintenance. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir, mes aïeux? Et maintenant, il faut que j'aille au hangar! Ça va être terrible. Oh, ça va être terrible! Ok, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger, un casque ou des écouteurs! Plongez-vous dans le noir, c'est toujours plus agréable. Et c'est parti. Je sais pas ce qui nous attend, mais de toute évidence, pas du bon. Et c'est vrai que j'avais oublié que Dead Space te mettait la pression H24. Arrêt imminent, pont de lancement, salle des commandes. Ok. Déjà, j'ai déjà la pâteuse, ça fait 3 minutes de vidéo, mon ref. Ok, attends. Ah, là on a un store, let's go, on va pouvoir vendre, on va pouvoir se faire des petits pleasures. Évidemment. Alors, biba biba boum. Inventaire, ça, c'est vendre. Let's go, ça, c'est vendre. Ça, c'est vendre. Ça, c'est vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Pourquoi il y a un petit panneau sens interdit? D'accord, c'est pour dire que c'est nouveau, je crois. Ok. J'ai que 24 000, on va peut-être pas faire les thugs, en vrai de vrai. On verra plus tard avec ce que l'on aura. Souvenez-vous, le hangar, c'est le tout début du jeu, évidemment. Wow, je me suis chié dessus, sa mère. Et les objectifs accomplis, c'est terrible. Faut pas mettre la pression comme ça, les gars, hein. Faut pas mettre la pression comme ça, hein. C'est qu'un couloir, hein, bordel de merde. Ok. Bien. Ah non. Oui, si, c'est près du début du jeu. Ok, super. Level design hyper intelligent. Parce qu'on retourne toujours là où on était. Et on s'en rend même pas compte. Donc honnêtement, chapeau bas, melon et bottes de cuir. Ok. Voilà, c'est parfaitement tout droit. Hein. On peut pas faire mieux. Si t'es près des clôtures hors sol, vérifie les filtres sur ton casque. Oh. L'air est irrespirable. Ouais, je l'ai senti. Tout le pont est contaminé. Je vois une énorme masse dans le garde-manger. Trop grosse pour être quelque chose qui peut dépousser. On dirait la source du gaz toxique. Ce patient au pôle médical. Il a parlé de créer une enzyme, non? Peut-être que les scientifiques ont laissé un poste de travail ouvert. Une énorme masse? Journal de la salle des cultures hors sol, ici la docteure Elisabeth Cross. Maintenant que les arroseurs sont réparés, nous travaillons à plein régime.
La flore est en pleine santé et la production de nourriture est en surplus. J'ai fait emballer le surplus pour pouvoir l'envoyer à la colonie. Mais le capitaine Matthews continue d'interdire les vols. C'est ridicule. Je vais faire une réclamation. Tout le monde sait qu'EJ7 a besoin d'aide. En quoi des fruits frais pourraient-ils être dangereux? Ok. Alors ça, ça sert à quoi? Ah, d'accord, un nouveau tram. Station désormais accessible. Merci d'avoir patienté. Il n'y a pas de souci, mon ref, hein. On reviendra. Hein. Très bien. Moi, c'est obscur. Bonsoir. C'est obscur de fou, frère. Très bien, un petit kit de soins, ça on va l'utiliser immédiatement. Bien. Barre pour le trancheur. Le trancheur, c'est ça? Une barre pour le trancheur? J'avoue, je l'ai pas. On verra plus tard. Ok, du crédit on prend. Ça donne un crédit à la cause. Je fais que de reload, c'est terrible. Ok, donc on va encore affronter un autre boss. Et ça s'arrête plus, c'est catastrophique. Ok. Let's go sur l'ascenseur qui est pas du tout rassurant parce que les lumières clignotent. Bon, pour l'instant, en 7 minutes, on n'a pas croisé un man. Mais je pense que c'est uniquement de la préparation. On va en prendre plein avec. Quoi? Ok, c'est un peu obscur. Enregistrez, répète. Ici la docteure Elizabeth Cross. À tous les survivants, faites demi-tour. Tout a disparu. Tout ce que nous avons créé, mon équipe, tous morts. Ce monstre. Je vous en prie, partez. Allez en lieu sûr. Si je peux trouver un moyen de le tuer. Jacob, si tu entends ça, tu sais que je dois essayer. Ah! Attends, mais y'a même pas de save, les gars. Alerte. Réserve d'azote liquide vide. Oh, ça va chier. Oh, ça va chier. Ok. Allez, on save. Oh là 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 là. Y'a une forge là, ça serait sympatoche. Ok. Alerte. Réserve d'azote liquide vide. Oh lolo, les emmerdes. Bon, allez, les gars, on va aller checker là. Je sais pas ce qui va se passer. Ça sent clairement pas bon. Si j'avais pas un truc de fou. Synthèse de l'enzyme terminée. Avertissement, ne pas ingérer. Alors? C'est bon, j'ai l'enzyme. Elle a été modifiée pour digérer quelque chose de gros. Il devait essayer de tuer ce qu'il y a dans le garde-manger. Espérons que ça marche. Ok, on va re-save. Oh là 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 là. Oh, je suis pas serein. Je suis pas serein. Ok, bon bah c'est parti, accéder au garde-manger, ça porte bien son nom. Oh là 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 là. Non, 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 non. Faites demi-tour, il n'y a aucun accès au garde-manger. Et même s'il y en avait un, le Léviathan vous dévore. Vous êtes Léviathan, c'est ça? Ce Léviathan, c'est ça qui empoisonne l'air? L'air, mon équipe, il a tout détruit. J'ai conçu une enzyme spéciale pour le tuer.
Il ne manque plus que le laser picket pour terminer la synthèse. Mais les personnes que j'ai envoyées au pôle médical ne sont jamais revenues. J'ai récupéré de cette enzyme. Oh mon Dieu. Comment ? Écoutez, il faut l'injecter au Léviathan. Vous n'avez pas accès au garde-manger, mais il y a un autre moyen qui est risqué. Plus risqué que de manquer d'air ? Mon équipe s'est transformée. Ils sont tous reliés au Léviathan et encrachent ces toxines. Mais leur connexion est réciproque. Ok, donc, si je rejoins votre équipe et que je réinjecte... L'enzyme sera transportée directement jusqu'au cœur du Léviathan. Trouvez les... siffleurs. Mettez fin à leur souffrance. Et quand le Léviathan sera suffisamment affaibli, on enverra cet enfoiré dans l'espace. Ah! Piquer le siffleur numéro 1. D'accord, ça s'appelle des sifflers. Il y en a trois. Il y a trois sifflers. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, ça va piquer du siffleur, hein. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, juste il siffle. Ah, on re-save. Vous connaissez la tradition, on passe devant un point de save. Il faut toujours save pour éviter de refaire 14 000 fois les mêmes scènes. C'est les jeux d'époque où quand vous mourrez, vous revenez exactement là où vous avez save. Il n'y a pas de sorte de checkpoint invisible. Ok. J'aimerais aller au milieu là-haut. Voilà mon gars. Ok. Je casse tout, j'en ai plus rien à péter, ok. Allez. Fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'on a là? Plan d'amélioration étendu. Ouais, bah c'est bizarre, mais y'a rien qui me choque là-dedans. Fais-moi rêver. Y'a quoi d'étendu là, frérot? Y'a rien! Bah vas-y, PV encore, hein, bah les couilles. Hein. Voilà. Oh là là, lance-flamme. Faudrait peut-être améliorer. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi la spéciale? Augmente considérablement la cadence de tir, c'est pas ouf. Bah écoutez, c'est pas facile, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Chier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il y a pas assez de points, en fait, à s'accorder. Il y a tellement de choses à améliorer, mais... Très bien. Oh là là, je suis le gars serein, je le suis pas. Ok. Lui, il était tout seul, miskin. Je suis le maître des connards. Avatar, le maître des connards. Ok. Ça, vous allez voir qu'on va se retrouver très très vite dans le noir. On va prendre connaissance de la pièce. Hein. Voilà. Mort. Mort.
Stop, je sais pas. Non mais c'est pas ça que c'est. C'est quand même incroyable que ça passe entre ses jambes, man, hein. On arrête là les gars, non? Je sais pas. Ah, il y a un petit courrier. Demande de sécurité retrouvée. Allô la sécurité, ici la Dr Cross de la salle des cultures hors sol. Quelque chose a renversé la porte près du garde-manger. C'est peut-être un astéroïde. Des gens sont blessés à cause de la décompression. On a besoin de médecins et d'agents de sécurité, et vite. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Que tout le monde sorte du garde-manger. Ok. Allez, ça me plaît. Non, mais les crédits, je m'en bats les couilles, les gars. La tête de ma mère. What? Encore une nouvelle arme. Arsenal complet. On a toutes les armes du jeu, let's go! Ok, t'as une musique à la Matrix. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle arme? Puits de gravité. Pardon. J'entends des bruits bizarres, mon ref. Vas-y, hein, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard. Utiliser. Très bien, chacal. Habilitation confirmée. Je me suis fait. Ah! Oh putain. Eh vas-y, tu sais quoi? Là, ça va être radical, mon frérot. Lance-flamme équipé ici. Ok. Ok, ok, ok. J'ai niqué une putain de mule, j'ai le seum. Des fois, vous savez, les choses les plus simples sont parfois les plus radicales, comme on dit. Ok. Eh ben, écoutez, on va aller ici, on va... Je ne sais pas comment vous appelez.
Isaac Clarke, ingénieur système. Ingénieur, avez-vous vu Jacob Temple? Non, mais je cherche aussi quelqu'un. La docteure Nicole Brennan. Attendez, je vais essayer. La docteure Brennan, c'est celle qui aide les gens à quitter l'unitologie? Ouais. Attends, elle est bien ma mère. C'est comme ça qu'on se rend compte. On peut pas save? J'espère qu'elle va bien. Les unitologues ici n'aimaient pas qu'on les remette en question. Et depuis que le capitaine est mort, ils ont tous brillé. Allez? Ah non. Oh non, un étage en plaisir. Oh là, un étage en plaisir. Oh, ça va être chiant. Yo, je vais te passer. Ah, ça va éteindre la lumière après. Superbe. Superbe, les gars. Attends, mais what? Ça m'a bouffé toute la santé, là? Non. Où sont mes deux kits de santé? Qu'est-ce que c'est? Où sont mes deux putains de fucking kits de santé? Ok. Bon, bah alors attendez, bah quitte à se faire bezerro. Ok. Ensuite. Tir principal et puis de gravité. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Allez, et de deux. Faut vraiment que je comprenne comment fonctionnent les soins, parce que là, je l'ai pas, sincèrement. Je vous laisse lire, les amis. Faut vraiment, vraiment que je comprenne comment fonctionnent les soins, parce que là, c'est terrible. Oh putain, je me suis chié dessus. Ok. Oh. Ouais, mais les gars, moi je vais pas mytho, s'il y a pas de quoi save, ça me... J'aime pas. Ok. Ah, c'est pas mal. Wesh. Wesh. On va... Oh là. Je me casse, on va les save. La pression est beaucoup trop constante. La pression est trop constante et je n'arrive point à subir plus. Mais comment ça se fait, ma vie se fait à ce point-là enflée en fait? Je m'en rends pas compte. Je m'en rends vraiment pas compte. Ok, on va save. On va save et si je meurs, c'est pas grave. Mais là, là c'est trop. Les gars, si je meurs, faut reprendre 20 minutes avant, les mecs. C'est mort. C'est mort de chez mort. Je refuse. Double porte. Je l'avais même pas vu. What? Ok. Je le veux ça. Ok.
Waouh. Ok. Je l'avais même pas vu, je suis choqué de fou. Par contre, faut sucer qui les gars pour aller à la save la plus proche? Sérieusement quoi. Attendez. Attendez, parce que là c'est très intéressant. Vous l'aurez compris. Un oscillateur, ok. Donc ça c'est des munes. Bah écoutez, c'est parfait. J'achèterai un jour peut-être des soins, qui sait. Ok. Allez, c'est parti. On save et on y retourne vite fait, les amis. Vous inquiétez pas. Allez, let's go. Comme ça, on verra au moins ce qui nous attend pour le prochain épisode si on vient à Canning. Et donc là, j'aurai, je suppose, accès au garde-manger. Ça veut pas dire que le boss sera fait. Vous l'aurez compris. Allez. Ok, pas de soucis jusqu'ici. Alors, bababam, lance-flamme, c'est fait. Le nouveau bordel, là, c'est fait. Lance-disque, on va l'utiliser un petit peu jusqu'ici. Ça a l'air de khalas. On est plutôt pas trop mal. Allez, direction le premier étage. Il y a des trucs qui tombent du dessus. Je sais pas c'est quoi, les gars. Il y a quelqu'un qui perd des pellicules. Des pellicules de merde. Ok. Allez. La souffrance, c'est maintenant. Quoi? Oh là là, ça faut qu'ils arrêtent, hein, frère. Ouais. Attends. Ah, je suppose que la suite ira là-bas, non? Qu'est-ce que c'est là-bas? Vers la tour de réfrigération. Ok. Ah, mais c'était là-bas qu'il fallait aller. Qu'est-ce qu'on a là-bas alors? C'est une petite salle, ça. Contrôle des cultures. Danger toxique. Isaac, où est-ce que tu es? Aide-moi. Ok. Bah, je sais pas. C'est pas le... Oh, c'est le sa mère. Ok. Ok. Bien, voilà. De peur que de mal. Mais c'était le putain de siffleur. Oh, fais chier. Il y en a plus que ce que. Il y en a plus que ce qui était convenu. Sa mère. Ok. Vas-y, on va essayer ça, les gars. Allez. On va essayer ça, je sais pas c'est quoi. Wesh. Sarah Connors. Ok. Ouais. On est par ici. D'accord. Finalement, je m'attendais à plus terrible. Ok.
On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Je crois que j'ai perdu peut-être un petit peu trop de munitions. On verra ça un petit peu plus tard. Bisous tout le monde. Bye bye.